Hier, je suis tombé sur un truc. Exactement ça. De la cancoyote. Oh, ça recommence, c'est reparti. Je ne connais absolument pas, c'est une amie à moi qui m'a dit de goûter. C'est un peu le principe de cette chaîne, non? Packaging plutôt sympa, c'est de la marque Président. J'ai vu qu'il en existait de plein de marques, mais bon. Pour vous, c'est plutôt haut de gamme. C'est archi faux, des fois on fait des courses à Leclerc. T'as quand même des sacrés bons amis, c'est moi qui te le dis. Elle a raison, la grande. La cancoyote, c'est délicieux. T'as bien fait d'y goûter, il faut pas mourir con. Alors je précise par contre, la cancoyote, Président, mon pauvre ami. Je ne savais même pas que ça existait. J'en ai jamais mangé, j'en ai même point vu dans les magasins ou Leclerc ou Cora ou je sais pas où. Je sais pas tout sur ça, mon gars. Et de là à dire c'est un produit de qualité, là, président, t'as jamais goûté à ce qui est vraiment bon, toi, c'est moi qui te le dis. Ça me fait vraiment penser à la fondue ou genre, de la raclette, quoi. Crève un nom, espèce de dobo. Respecte le produit, ça n'a rien à voir avec la fondue à la raclette. On mélange pas les serviettes sales et les torchons propres, t'as compris, crève-vu? Mais c'est de la crème fraîche? Oh là là, c'est hyper élastique. Niveau odeur, ça sent vraiment le kiri. Mais t'as pas honte de ce que tu viens de dire, quand même, toi. On dirait de la crème fraîche, mais t'es pas un peu starbé, mon pauvre ami? Eh, fais gaffe, hein. Ça sent le kiri, mais tu vas où, mon pauvre? Je peux te dire que le nerf de bœuf, je l'ai usé, il y en a trois autres avant toi qui m'ont dénigré la cancoyotte. Ils l'ont mal dit, je les ai tonnis. Mais tu vois la cuillère en bois de la mer. Je vais t'en foutre un coup sur le museau, crève. Je vais te tirer par le slibard, moi. Tu vas voir si c'est élastique. J'adore fort le fromage, genre si vous aimez pas le fromage, c'est pas un truc que vous allez aimer. Ah, ça me fait peur, c'est la première fois que je mange un truc qui me fait peur comme ça. On goûte, c'est parti. Mais qu'il a les jetons qui dit, mais une mouche qui pète, tu t'en vas en courant, toi, mon gars, viens pas par chez nous. Eh, je vais te faire sentir un minster fermier qui vient de Saint-Bresson, mon gars. Ça pue du cul, tu vas tomber rectus sur le carrelage, c'est moi qui te le dis. Putain, la gosse, elle en bouffe à la petite cuillère, la cancoyotte, mon gars. Elle le dit mieux que toi, en plus. À la nature, surtout le président, mais ça sent rien. Oh, je vais te tonner, toi. Mais c'est un truc de très grande personne. C'est sympa, mais après c'est vrai que je me vois pas manger de la cancoyotte. Ça, c'est une folle envie de cancoyotte, quoi. J'aurais tout entendu, c'est un truc de grande personne. Mais t'as été où à l'école, toi, mon gars? Mais viens chez nous voir le pays! J'ai pas les mots, t'es... Voilà, j'ai plus les mots, voilà, il m'a tué. Connerie de parisien, là. C'est vraiment le fromage que j'ai... C'est bon, hein. Le gars, il a un orgasme, le gars, mais c'est n'importe quoi. Je t'invite à venir chez moi, je vais te sortir des fromages qui buent du cul. Je vais te faire goûter la vraie cancoyotte de chez Chancerot, là, à Bougnon. Même la Limane. Tu vas voir c'est quoi les vrais produits, toi. Alors surtout, les gars, n'hésitez pas. Envoyez-moi toutes vos vidéos où il y a des citadins qui font des trucs bizarres avec notre fromage, la cancoyotte. Je vais vous faire des collages. Attention, ça va mériter des points. Allez, bis et crevures.